Les États-Unis pratiquent la planche à billets. Et vous allez voir la gravité, mais vraiment, hein, la gravité de la situation. C'est quand même très inquiétant. Avec 2000 euros d'intérêt, avec des taux usuraires de l'agiotage à 19%, 20%, 21%. Donc voici la technique des banksters. On vous envoie des experts, des adbatés. C'est la chute du dollar. Les mesures d'austérité passent en 4 minutes. Ils nous préparent une guerre en 4 minutes. Les traders attaquent de toutes parts. Goldman Sachs voulant la plus grosse part. Quel salopard. Nos politiques font tout pour sauver les meubles, c'est trop tard. Estrangulé par les taux, il n'a servi à rien de parler d'eau. La monnaie papier est la plus grosse entourloupe du siècle. Ils dévaluent et n'ont pas pensé à la part du cake. La planche à billets, la part du gain. Leur pratique est d'usurper. Le vrai usurier lui fructifie leur fric avec des intérêts. Pour eux, le Moyen-Orient est une vache à traire. Ces traîtres nous traitent comme des bêtes. Ces bêtes, ils nous pèsent eux par la BCE. Les États-Unis pratiquent la planche à billets. C'est la chute du dollar. Les États-Unis pratiquent la planche à billets. C'est la chute du dollar. C'est la chute du dollar. La chute du dollar. À mort les Illuminati. Quand je parle de ce qui n'est pas normal, ça me fait penser. Quand l'Amérique Saddam aussi n'a rien fait. On a dit Saddam a des armes très dangereuses. On a attaqué l'Irak. On a tué beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Et plein de choses à gâter qu'on ne pourrait jamais les payer. Et les musulmans, vous regardez les informations. Vous dites que c'est bien scellé. Vous étiez très content de cet attaquement. Moi je vous dis que c'est mal ça. C'est mal ça. C'est la chute du dollar. C'est la chute du dollar. C'est la chute du dollar.